Ce week-end, on a un week-end très chargé avec Arthur parce que lundi, nous partons à Dubaï et pas juste 2 3 jours, on va rester un petit peu quand même parce qu'on a pas mal de choses à régler là-bas et à faire. En plus de ça, on a aussi notre maison, donc on va aussi la retrouver. On espère qu'elle soit en bon état. Je croise les doigts, pas comme la dernière fois. Et aussi, on va en profiter pour fêter notre anniversaire de mariage parce qu'on va fêter nos 3 ans. On a réservé déjà le lieu pour fêter notre anniversaire de mariage et c'est vrai que c'est un endroit que je voulais absolument faire, que je n'ai jamais fait. Donc trop hâte d'aller dans cet hôtel qui est incroyable. Et aussi, on va faire le musée du Louvre d'Abu Dhabi. J'ai dit à Arthur, je ne pars pas de Dubaï tant qu'on n'aura pas fait le Louvre parce qu'apparemment c'est incroyable. Alors oui, j'avais fait celui de Paris, mais il y a longtemps, j'étais petite, j'avais pas le cerveau encore assez développé pour comprendre quoi que ce soit. Donc du coup, là, je me dis, ça peut être plus intéressant de le voir à cet âge-là. Aussi les gars, honte à moi, mais je n'ai toujours pas offert le cadeau de 30 ans de ma sœur. Du coup, je vais profiter à Dubaï évidemment pour faire du shopping parce que c'est vrai qu'ici, ben, il n'y a pas trop de grandes marques hyper connues. Enfin, il y a plein de petites boutiques sympas et tout, tu trouves des petites pépites. Mais pour tout ce qui est grandes marques, enfin, vous m'avez compris, c'est un peu compliqué. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que Arthur aussi a un retard monumental sur les 30 ans de son meilleur pote au niveau du cadeau. Donc je me dis que la petite virée shopping à Dubaï, elle va porter ses fruits.